communauté paysanne. Non seulement voilà. Ce maharit là, mais c'est surtout un livre. Un guide des plus éminents du Sénégal. Mankoy Kham Yagana. Il est de la race des nouveaux dirigeants de notre pays, un guide spirituel que nous respectons beaucoup et qui, dont la réputation dépasse nos frontières. Donc, si ce guide religieux vient jusqu'ici, en France, à Paris, c'est un événement majeur parce que non seulement il vient s'enquérir de notre situation ici en tant que Sénégalais, mais il vient surtout nous montrer le chemin, le seul chemin qui mène à Dieu. Cela est extrêmement important et nous en sommes très très fiers. C'est la raison pour laquelle le consul général, M. Amadou Diallo, ici présent, et moi-même, avons tout laissé pour venir vous rencontrer, venir nous mêler à vous pour accueillir notre guide religieux. Nous étions à une mission tout à l'heure mandatée par le président de la République parce que le Sénégal a perdu un ami qu'on enterrait tout à l'heure. Et les deux cérémonies ont coïncidé. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés en retard. Nous voudrions nous en excuser, mais nous avions pris nos dispositions pour être avec vous aujourd'hui pour, comme je l'ai dit, accueillir le guide religieux. Mais c'est l'occasion pour moi, en tant qu'ambassadeur, de venir à vous depuis que j'ai pris mes fonctions en avril dernier pour vous dire toute mon admiration pour votre sens de l'organisation, pour la solidarité que vous mettez en œuvre